peuple de Dieu acclame. The people of God clap. Jésus Christ. Jesus Christ. Exodus 23 from verse 20 to 33. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Jébusiens, et les Hétiens. Je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Verset 30. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Verset 31. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve. Car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi. Car tu servirais leur Dieu, et ce serait un piège pour toi. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Ce passage de l'Écriture, des Écritures dit beaucoup de choses. This passage of the scripture says many things. Nous n'allons pas étudier tous les aspects. We are not going to study all the aspects. Mais ce qui est frappant, but what is very touching, c'est que le Seigneur Jésus, that the Lord Jesus, qui nous a demandé d'aller dans le monde, who asked us to go into the world, d'annoncer la bonne nouvelle, to preach the good tidings. Il connaît le chemin. He knows the way. Il sait comment ça se fait. He knows how it works. Il sait comment lui-même a souffert. He knows how himself suffered. Alléluia. Praise the Lord. La Bible dit que les choses de l'Ancien Testament ont été écrites pour nous instruire. The Bible says the things of the Old Testament have been written for us to instruct us. Quand le Seigneur a sorti le peuple d'Israël, when the Lord brought the people of Israel out, il leur a dit, he told them, je vais vous conduire. I will lead you. L'ange, mon ange sera avec vous. My angel will be with you. Il va vous conduire chez vos ennemis. He will lead you to your enemies. Et moi, je vais les exterminer. And I will destroy them. Alléluia. Praise the Lord. Ils avaient sept nations devant eux. They have seven nations before them, in front of them. J'ai dit cela pourquoi? Why am I saying this? Soyons des hommes, soyons sages. Let us be men, let us be wise. Ne te pose pas la question, donc nous allons passer notre vie à combattre. So don't ask yourself that question. Are you going to spend all of your time to fight?
L'Éternel Dieu des armées, il s'appelle Dieu des armées, c'est-à-dire il est le Dieu des combats. Veteran, the host of armies, it means that the God of fights. La rédemption est une œuvre de combat spirituel. Redemption is a work of spiritual warfare. Quand le Seigneur dit dans Isaïe 61, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, le Seigneur m'a envoyé pour apporter des bonnes nouvelles. When the Lord said in the Isaiah 61, the Spirit of the Lord rests upon me. The Lord has sent me to give a good tidings. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. To heal heart broken. Pour libérer les captifs. To release captives. Pour rendre libres les opprimés. To give liberty to oppressed ones. C'est une œuvre, c'est une entreprise de conquête de guerre. It is a work, it is an enterprise of conquest and war. Jésus vient casser les prisons, briser les chaînes, libérer les captifs. Jesus comes to break prison, to release captives. Et il a dit, and said, comme le Père m'a envoyé, as my Father sent me, moi aussi je vous envoie. I too am sending you. Dans le passage que le frère vient de lire, in the passage that the brother has just read, le Seigneur dit, the Lord says, je veux vous amener, I will send you devant les Amoriens. Before the Amorites. Donc, il les amène devant les Amoriens. So he sent us before the Amorites. Ils combattent, ils combattent, ils combattent, ils combattent, ils combattent, ils combattent. We fight, we fight, fight. Le Seigneur intervient. The Lord intervenes. Ils exterminent les Amoriens. He destroys the Amorites. Il dit très bien. He said, well done. Il dit maintenant. He says now. C'est les Éthiens. To the Éthiens. C'est lui qui change de comp. Toi, tu es seulement dans son armée. Is it himself who has been changing battle? You are one of his member of his army. Après on combat, on combat, on combat, on combat. So we fight, we fight, on we fight. On frappe les Éthiens. He struck the Éthiens. Dès que c'est fini. As soon as it is finished. Il y a les Pharisiens, venez, mes petits, venez. The Pharisees, come, my little ones, come. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Et il te place devant les Pharisiens. Then he places you. Ta responsabilité, c'est de se tenir devant les Pharisiens. Your responsibility is to stand in front of the Ephesians. Lui-même va les battre, mais toi, tu te tiens là. Tu te tiens là. Il me dit, you defeat them, but you stand there. Il dit, je les exterminerai. Je les exterminerai. Pas tu les extermineras. He said, I will destroy them, I will destroy them. No, you destroy them. C'est lui-même qui les extermine. He himself who will destroy them. Toi, tu te places seulement là, dans le champ de bataille. You yourself, you play yourself only in the battlefield. Comme David. Like David did. Tu pourrais avoir juste des cruches, ou des brindilles, ou un nose down. You can just have the broom. Or a... Ou bien... Or you can have an ass. Mais lui, an ass. But he, il va opérer la victoire. He opérer victory. Alléluia. Dès que tu finis avec les Pharisiens, as soon as you finish, il te dit, the Pharisiens, il y a les Cananiens, viens. The Canaanites, come. Et puis tu engages la bataille. And you start the battle. Et puis tu remportes la victoire. And you win the victory. Alléluia. Après tu dis que bon, c'est bien, maintenant viens, et allez, viens. He said, now it is good, now come, now they are the Evites. Et tu t'en vas. And you go. Comme David. Like David. Avec sa petite fronde. With your small... Tu engages la bataille. You started the war. Et l'Éternel lui-même extermine l'ennemi. And the Lord himself destroys the enemies. Toi, tu te présentes seulement en son nom. You present yourself only on his name. Lui, il fait le travail. And he does the work. Après, dès que tu finis, as soon as you finish, avec les Éviens, il te dit il y a les Jébusiens. If I said that you are the Jebusites, c'est-à-dire Jérusalem même. That means Jerusalem itself. Hallelujah. Praise the Lord. Mais mes amis, but my friends, ces choses sont réelles. Those things are real. Si tu trouves un croyant. If you meet a believer, qui te dit que comme Jésus est mort à la croix, who tells you as Jesus died on the cross, le croyant n'a aucun combat spirituel à mener, c'est un serviteur du diable. Since Jesus Christ died on the cross, il veut t'endormir. The believer has no fight to do. He's a servant of the devil. Pour donner l'avantage à son maître. He wants to make you sleep to give the victory of the advantage over you to your master. Ensemble? Are you together?
Nous sommes appelés. We are called à nous tenir avec le lion de la tribu de Juda. To stand with the lion of the tribe of Judah. Dit, comme le Père m'a envoyé. He said, as my father sent moi aussi je vous envoie. I too am sending you. Nous sommes là pour combattre. We are there to fight. Le combat de la rédemption. The battle of redemption. Nous travaillons avec Jésus. You work with Jesus. Pour que le monde connaisse l'évangile. For the world to know the gospel. Et nous prêchons. And you preach. Et nous libérons les captifs. And you release captives. Priez pour ta famille. Praying for your family. C'est notre champ de bataille. It's another battlefield. Tu frappes. You strike. Après, le Seigneur va nous ramener à un autre front. After that, the Lord will send you to another front line. Vous verrez que chaque année, il y a des révélations comment délivrer les familles. You see that each year, you have the revelation how to deliver the family. C'est lui qui nous amène de révélation en révélation. He's the one who will be sending us from revelation to revelation. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Quelqu'un lise pour nous Romains chapitre 9. Someone to read on Romans chapter 9. Verset 1 à 5. From verse 1 to 5. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi et le culte, et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Vous voyez un exemple. You can see an example. Un exemple glorieux. A glorious example. Paul dit qu'il ne dort pas à cause du fait que ses parents, selon la chair, ne sont pas encore sauvés. Paul says he doesn't sleep because his parents, according to flesh, have not been saved. Il are not saved yet. Il éprouve un profond chagrin. He had a profound sorrow. Frère. Brethren. Il n'était pas permis. You are not allowed de haïr tes parents. To hate your parents. Sous prétexte que ils sont des pêcheurs ou des sorciers. Under the pretext that they are sinners or witches. Tu as la responsabilité. You have the responsibility. D'intercéder pour eux. To intercede for them. Le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs. The Lord has made us high priests. Nous devons jouer ce rôle-là dans nos familles. You have to play that role in our family. Nous sommes deux frères qui avons donné la vie à Jésus avant tout le monde au village. We are two brothers who gave their life to Jesus in the village before everybody comes. Depuis l'époque coloniale. Since the former time of the white man to colonize. Jusqu'à 24 ans après. Il n'y avait pas eu de bachelier chez nous, même le BPC. Je n'ai même pas vu le CP affiché quelque part. I didn't even see even the senior certificate and the junior certificate before. Nous étions quatre jeunes de la même génération. Quatre. We were four from the same generation. Le plus intelligent parmi nous. The most intelligent among us. Pleurait chaque matin. Used to cry every morning. Il ne veut pas aller à l'école. He did not want to go to school. Allez, on tire, on frappe, on tire, il crie. And they beat him, they drag him, and he cried. Il, quand il joue au foot. When he played football. Il joue à tous les postes. He played at all posts. Quand il est au goal. When he's a goalkeeper. Quand il est gardien de but. When he's a goalkeeper. Tu tires, il attrape avec une main, il tape comme ça, il t'humilie. You shoot, il catch the ball, il puts it, make it like that, and he laughs. S'il était né dans un autre village, if he were born in another village,
Il serait un grand joueur dans l'équipe nationale, même Ballon d'Or. He will be a great player in the national team. Even if you're going to have the golden prize. Son malheur est qu'il est né dans un village maudit. It's unfortunate because he was born in a cursed village. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, when I gave my life to Jesus, j'avais falsifié mon acte de naissance. I falsified my birth certificate. Moi, j'opérais déjà dans la bénédiction. I was diving in blessing. Quand j'ai restitué, je n'avais plus de diplôme, je n'avais plus le BPC parce que le BPC avait l'âge falsifié. When I carried out my restitution, I did no more have the junior certificate because my junior certificate was a fraud one. Donc, pour mon inscription à l'université, so for my registration at university, ce n'était plus possible. It was no more possible. Parce que je n'avais pas de BPC. Because I did not have any more the junior certificate. Il y a eu une note ministérielle. There was a ministerial decree. Que pour s'inscrire à l'université, écoutez ça très bien. That to get registered at university, listen to that carefully. Je vous montre la malédiction et la bénédiction. Quand tu opères sous la malédiction et quand tu opères sous la bénédiction. I'm showing the way between curse and blessing. When you operate under curse and when you operate under blessing. Donc il y a eu une note ministérielle. So there was a ministerial decree qui disait que pour s'inscrire à l'université, that states that to get registered at university, on présente l'attestation de la première inscription en classe de seconde. C'est-à-dire, tu laisses le BPC, tu vas là où tu as fait la seconde pour la première fois. On te signe une attestation que effectivement telle année il était inscrit en seconde. You just present the testimony of your first register at the fifth form. Dieu a enlevé le BPC du circuit. God removed the junior certificate from the circuit. L'année qui suivait, the following year, Mme Colette s'inscrivait. Mme Colette was registering. On a restauré la mesure. The measure was restored. Copie conforme du BPC. That you had your junior certificate, your authentic one. La bénédiction existe. Blessing does exist. Deux croyants, deux premiers bacs. Two believers, two successful students have a senior certificate. Aujourd'hui, today, le village est plein de diplômes, de doctorats. The village is full of diplomas. Mon petit frère est devenu professeur. Some have even become professors. Est-ce que vous comprenez l'évangile? Are you together? Do you understand the gospel? Nous étions sous la malédiction. You were under a curse. Nos parents avaient commis des abominations. How your parents committed abomination? Quand tu commences à demander à Dieu de pardonner, il pardonne. When you start asking God to forgive, he forgives. Et tous les jeunes gens qui se sont convertis réussi dans les études et ils ont réussi dans la société. How the young men au village who converted in the village succeeded at school and also in society. Les gens disent allez dans l'église de Boniface. People used to tell them go to the church of Boniface. Allez dans l'église de Boniface. On the church said go to the church of Boniface. Au début, c'était les moqueries. At the beginning, it was mockeries. Après, j'étais même le premier fonctionnaire depuis l'époque coloniale. After that, I was the first civil servant since the colonial period. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Allez dans l'église. Les gens diront, allez dans l'église de celui-là. People will say, go to the church of that one. Certains ont cru qu'ils ont rétrogradé, mais nous sommes là pour prier. Some believe they backslid, but we are there. Il y en a qui se débrouillent encore dans leur religiosité, mais nous sommes là pour prier. Dieu va nous exaucer. Some are trying in their being religious, but we are there to pray. God will answer us.
L'essentiel, c'est que tu sois en train d'obéir, comme Paul fait là. The essential is that you are obeying like Paul did. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Si ta famille est encore maudite, if your family is still cursed, tu vas ressentir ça dans ta vie. You feel it in your life. Imaginez une famille où il y a, tu es le seul travailleur, le seul. Imagine the family where you are the only worker. On dit qu'il y a décès. They said there's death. Il faut de l'argent pour enterrer. You need money to bury the person. Les gens te regardent seulement comme people, Dieu. Ils te regardent comme leur Dieu. People are looking at you like their God. Tu ne peux même pas leur dire qu'il n'y a rien. You can even tell them there's nothing. Donc tous sont là, tous t'adorent. So all are there worshiping you. Dans d'autres familles. In other families. Étant même en causant, chacun met la main dans sa poche, il sort un million, il donne, sans même s'asseoir qu'il y a une concertation. Even when talking, can even put his hands into pocket to bring out 1 million. Not even sit down to say there's a concertation. Où est la différence? What is the difference? Ils sont bénis. They are blessed. Chez toi, pour cotiser, ça prend 3 mois. For you to raise funds, it takes 3 months. Après plusieurs réunions. After many meetings. Les autres, il n'y a pas de réunion. C'est que on fait comment? Debout là, debout. For others, there are no meetings. They say, how are you doing? Even being half. Il faut pas perdre le temps. Il faut combien? Don't waste time. How much do we need? On dit les maçons veulent que les carreaux pour la tombe. C'est combien? Say the masons want the tile for the tomb. How much it is? Acclamation. Clapping. Tu dois rechercher ça. You need to look for that. Et je vais vous dire une chose. I want to tell me one something. Dans le ministère de délivrance. In the ministry of deliverance. Nous avons été choqués. You have been shocked. You are shocked. De réaliser qu'il y a des gens qui ont envoûté les sorciers. Les sorciers. Ceux qui pratiquent l'occultisme. Certains ont envoûté tout le village pour être riches eux seuls. You realize that some people, their riches, be rich, the whole village, there's a to be rich alone. Seul. Alone. Et ils sont contents. They are happy. Il y a dans une région de Côte d'Ivoire. There's in a region of Côte d'Ivoire. Un frère qui vivait avec son oncle. A brother who was living with his uncle. Tout ce qu'il demande, le monsieur donne. Everything that you'll be asking, the man gives. Mais quand ça touche l'emploi, but once it comes to, il ne donne rien. When it comes to job, it doesn't give anything. S'il se présente pour un concours, if he goes for a test, si l'oncle est au courant, il a déjà échoué. If his uncle is aware of that, he has already failed. Donc, quand il a cru, so when he believed, son faisait des disciples l'a récupéré chez lui. So it is up to make it to him in his home. Et il a composé les dossiers pour être un enseignant à l'université. And he made all the files to be a teacher at university. On l'a recruté. He was recruited. Et c'est après qu'il a dit à son oncle, je suis déjà professeur à l'université. Is it after that he told his uncle that I'm already a teacher at il university? Dit, pourquoi tu ne m'as pas dit? He said, what did you tell me? What didn't you tell me? Vous voyez? Can you see? Non, prie pour ta famille. Yes, pray for your family. Prie que les gens se portent bien. Pray that people you feel well. Vous savez, il y a le salut. You know there is salvation. Pour être sauvé, to be saved, on donne la vie à Jésus. One gives his life to Jesus. On se repent de ses péchés. You repent from one sin. Pour manger le pain, to eat bread, on n'a pas besoin de donner la vie à Jésus. You don't need to give one's life to Jesus. Dieu nourrit même les oiseaux. God even feed birds. Donc, quand la malédiction agit, so one curse act, même le pain quotidien que les oiseaux ont tous les jours. Even the daily bread, even the daily bread that birds have every day,
doesn't exist in the family. Tu gagnes un peu d'argent, ça finit vite, ça finit. You win a little money, it finishes quickly. Comme la parole dit que quand les biens abondent, ceux qui mangent abondent aussi. Dès que tu as quelque chose, les gens viennent, une foule, ils prennent tout. Dès que ça finit, tu restes seul. As the Bible says, when the world is abundant, also those who take benefit are also abundant. As soon as you have money, people come in numerous. As soon as the money is finished, they withdraw. Il faut qu'il y ait des conversions dans ta famille. You need to have conversion to your family. La famille élargie. The large family. Pas ton père, ta mère et tes frères de même ventre. Not your father, your mother from the same home. Tous ces oncles-là, tous ces nièces, cousins, tous ces gens-là doivent être bénis. All your cousins, your uncles, your nieces must be blessed. Et puis, frère, so brothers, la pauvreté est un instrument du diable. Poverty is an instrument of the devil. Si Dieu laisse la pauvreté atteindre quelqu'un, c'est parce qu'il y a la malédiction derrière. If God leaves poverty to someone, it is because there is curse in the family. Si tu as prié pour que tes parents meurent, if you, tu vas, il y a des nouvelles âmes là. Si tu es quelque part. If you pray that your parent died, you have new soul. If you are somewhere, et que là-bas on t'a entraîné comment prier pour que quelqu'un meure. That over there you were taught how to pray for your parent to die. Tu vas te repentir ce soir. You repent this evening. Et tu vas commencer le jeûne dans lequel nous sommes. And you start fasting as we are fasting. Pour prier pour ta famille. To pray for your family. Tu seras béni. You'll be blessed. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu seras heureux même. Dieu va te bénir. You will be happy. God will bless you. Il dit, je cherche parmi eux. Parmi eux. He said, I'm looking for among them. Quelqu'un qui intercède. Someone who intercedes. Et toi, tu es parmi eux. Tu pries qu'ils meurent. And you among them and you pray for them to die. Vous savez. You know. Il y a les prières que Satan exauce. There are prayers that Satan answers. Donc, tu as demandé, tu as prié Satan. So that you pray to Satan. Il y a une sœur. There is a sister. Elle priait quelque part. She was praying somewhere. Où les gens utilisent les bougies. Where people use candles. Une fille l'avait offensée. A young lady offended her. Et quelqu'un de leur milieu, de leur dénomination. And someone from their denomination. Lui a dit, mais ne t'en fais pas. Tell her, don't worry. Entre dans ton sanctuaire. Enter into your sanctuary. Tu te déshabilles nu. Tu restes nu. You put on your clothes, you become naked. Et tu pries. And you pray. Contre elle. Against her. Elle est entrée dans le sanctuaire parce qu'ils ont des sanctuaires. She entered the sanctuary because they have sanctuaries. Elle a enlevé les habits, elle est restée nue. She put off her clothes, she was naked. Elle a prié. She prayed. Cette fille qui l'avait offensée a reçu une agression sanglante. Les gens, quand on prend le couteau, on trace sur elle, on trace sur le corps, on blesse partout. That lady who offended her received a physical aggression, and like the way that you can use a knife and cut your body on your back. Ça, c'est Satan qui exauce ça. Ce n'est pas Dieu. This is Satan who answers those prayers. Donc, it is not God. Mort atroce là. C'est une chose civière. Une sœur m'a dit que son mari se lève tôt. And sister told me that her husband wake up early. Il commence à prier. He starts to praying. Que telle personne meure d'une mort atroce. Que telle personne from that person should die. Que telle personne meure. That person should die. Après, elle arrive au niveau de sa mère. After that, he comes to the level of his mother. Et il change. He changed. Il dit, Seigneur, il faut. Il dit, non, prie aussi. Prie. He said, Lord, pray also. Ta mère aussi est dedans. Your mother is also among. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. No, she did not know what she's doing. Oui. Can you see? Sa mère ne sait pas ce qu'elle fait, mais l'autre doit mourir d'une mort atroce. D'une mort atroce. His mother did not know what she's doing. But the harder one should die in atrocity. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que je suis un sacrificateur. That I'm a high priest. Établi par Jésus-Christ. Established by Jesus Christ. Et dans mes fonctions.
Et in my function, entre autres, among them, je dois prier pour ma famille. So I have to pray for my family. Parce que tu peux prier pour la nation, pour les frères en crise, pour l'avancement de l'évangile. Mais la famille est un chapitre de ton dossier que Dieu t'a donné. Because you can pray for the nation, for the program, for the gospel, but your family is a chapter of your file. La nation est un dossier. The nation is a file. L'église et la marche de l'église, un dossier. The church, the work of the church, a file. Tes enfants spirituels, un dossier. There's your spiritual children, a file. Toi-même, un dossier. You yourself, a file. La conquête de toi-même pour Jésus. The conquest of yourself for Jesus. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Un chagrin continuel. Ce n'est pas que son cœur a bougé en janvier et puis c'est fini. Un chagrin continuel. A continual sorrow. It's not like his heart moved in January and it changed. A continual sorrow. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Que personne ne te trompe. Should no one deceive you? Frères bien-aimés. Beloved brethren. Nous travaillons dans un contexte. You work into a context spirituellement délicat. You say spiritually delicate. Il y a plein de faux docteurs. There are many false doctors. Plein de faux prophètes. Many false prophets. Qui sont prêts à se moquer de toi. Who are ready to mock at you. Que toi qui pries pour la délivrance des âmes. That you pray for the deliverance of souls. Tu ne connais rien. You don't know anything. Pour eux, Jésus est mort déjà à la croix. Jésus a renversé les principautés. For them, Jesus already died at the cross. Jesus overthrew the principalities. Frère, vous n'êtes pas des idiots. Brother, we are not foolish people. Les démons ont été vaincus. Demons were overcome. Qui n'a jamais vu un démon dire je ne pars pas, je ne pars pas? Who has never seen a demon say, I don't go, I don't go? Jésus les a vaincus. Jesus Christ overcame them. Nous sommes les frères de Jésus pour exécuter ce que Jésus a déjà accompli spirituellement. We are the brethren of Jesus to execute what Jesus has already accomplished spiritually. Donc si un démon se manifeste là, so if a demon manifests itself, tu vas faire comment? What are you going to do? Tu as déjà dit aux gens que tous les démons sont liés, sont vaincus. We have already told people that demons are nothing, they already overcome. Vous voyez? Can you see? C'est pour ça que lis-nous le chapitre 10 verset 1 et 2. Read chapter 10 from verse 1 to 10. Il y a des gens qui ont le zèle sans intelligence. There are some people who have the zeal without intelligence. Ils ont le zèle sans sagesse. They have the zeal without wisdom. Ils ont le zèle sans révélation. They have the zeal without revelation. Lis rapidement. Read quickly. Romains chapitre 10, les versets 1 et 2. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Amen. Il y a des gens qui ont le zèle pour Dieu. There are some people who have zeal for God. Sans intelligence. Without intelligence. Frère, si tu es assis comme tu es assis là. If you are seated, are you seated? Si un démon se manifeste, chasse-le au nom de Jésus. If a demon manifests itself, cast him out in the name of Jesus. Les gens te diront que non, Jésus les a déjà vaincus. Un démon habite dans le corps d'un frère. On te dit laisse-le, Jésus l'a déjà vaincu. People say that Jesus has already overcome the demon. A demon living the life of a brother. People say let's chasse-le. Cast it out. Tu vois une principauté de la violence établie sur ta famille. You see the principality of violence established over your family. Et tu dis Jésus nous a déjà bénis. He said Jesus has already blessed us. Le frère Pierre a demandé. Tu as dit c'est le deuxième sujet. Brother Peter, il dit, oh Dieu, regarde mon frère. Say, oh God, look at my brother. Regarde comment il perd l'argent. Je connais la somme, mais comme il n'a pas donné la somme, je ne peux pas révéler. Look at how he lost money. I know the sum since he was afraid. Oh oui. Ah, tu as donné, hein? Il a perdu. Donc, ce frère qui a été béni
avait perdu 19 millions le un matin, un seul matin. That brother was blessed, lost one morning 19 millions. Il essaie de construire, les sorciers ont ça sur leur écran. Ils voient, ils savent que le mur est déjà brisé. On quitte le village pour venir annoncer à quelqu'un. He tried to build a house. The riches already aware that the war is already done. They even leave the village to come and announce it. Mais il a dit à Jésus. But he told Jesus. Change sa condition. Change his condition. Le décret est signé. The decree was signed. Il est promu. Then he has been promoted. Dieu a relevé sa face. God made his face. Ça c'est le début des bénédictions. Parce que le reste là, tout, même les maisons là vont venir. This is the beginning of the blessing. The rest, even all the houses will come. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Ils ont le zèle. Il y a des gens, ils ont le zèle, mais ils ne connaissent pas la révélation de Dieu. That is zeal. Some people have the zeal, but they don't know the revelation of God. Ne les écoutez pas. Don't listen to them. Au dernier jour. At the last day. Au son de la trompette. And the sound of the trumpets, il y aura beaucoup de pleurs et des grincements de dents. There are many weepings and gnashing of teeth. Si tu enseignes à quelqu'un, if you teach someone, que les démons n'existent pas, that demons do not exist, ça va te coûter cher dans la vie éternelle. It will cost you a lot in eternal life. Parce que tu es en train de cacher l'œuvre du diable. Because you are hiding the work of the devil. Tu ne veux pas que le diable soit attaqué. You do not want the devil to be attacked. Et tu veux que les enfants de Dieu tombent dans des pièges. And you want the children of God to fall into trap. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Maintenant, pour aller droit au but, lis nous sommes 49. Now to go straight to the goal, read for us Psalm 149. Je lis la parole de Dieu. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez sa louange dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des sceptres de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous armer. We need to harm ourselves pour exercer des jugements, to exercise judgment, et pour exécuter les jugements, and to execute judgments. Il y a des choses que à notre niveau nous-mêmes nous pouvons régler. There are certain things that we can settle at our level. C'est-à-dire nous pouvons amener ça à l'existence. That you can bring it to existence. Et nous pouvons enlever ça de l'existence. You can remove it from existence. Jésus a décidé Jesus decided que les malades that the sick one seront guéris, will be healed en son nom. In his name. Il faut que ça s'accomplisse. It must be accomplished. Est-ce que nous sommes ensemble? How are you together? Il a dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. He said, you lay hand on the sick one, they be healed. Et il a même dit, and even said, même si tu ne poses pas les mains, tu dis seulement, si tu dis seulement, even you don't know him, you just say it, you just say tu it. Crois, believe, ça va s'accomplir. It will be accomplished. C'est-à-dire, nous sommes appelés à exécuter les jugements que Dieu a déjà prononcés sur le méchant. We are called to execute the judgment that God has already pronounced upon the wicked one. Le sort réservé aux principautés est connu. The fate reserved to principalities is known. Jésus les a exposés en spectacle. Jesus exposed them to spectacle. Il a triomphé d'elles. He triumphed over them. Par la croix. By the cross. Maintenant. Now. C'est nous, ses enfants. We, his children. Qui devons exécuter ça.
who must carry out that judgment. Là où tu trouves une principauté installée. Where you find a principality which is installed dans un fauteuil. In an armchair. Tu renverses. You overthrow. Tu brises le fauteuil. You break the armchair. Si une autre la remplace. If another one replaces it. Tu fais la même chose. You do the same thing. Frère, le monde spirituel est en mouvement, en œuvre. Brethren, the spiritual world is moving. Beaucoup pensent que many think that le diable est là comme ça. The devil is there like this. Jésus l'a vaincu. Jesus overcame him. Il y a deux venues de Jésus. There are two arrivals of Jesus. La première venue, the first arrival, n'était pas pour mettre le diable dans le lac de feu ou dans les abîmes, dans les chaînes. Is it not? C'était pour venir se révéler aux hommes. The first arrival was not to put the devil into the lake of fire and the abyss. It is to reveal himself to men. Et il devait faire quelques miracles. And he was to perform some miracles. Pour que les gens sachent que c'est lui le Messie. That for people to know that is he the Messiah. Mais le but fondamental, but the fundamental goal, c'était de venir, it was to come, et de mourir à la croix, and to die at the cross, et faire en sorte que and, toute l'humanité sache, and make in such a way that the whole humanity knows, que celui qui est mort à la croix, that the one who dies at the cross, c'est lui qui est le Messie de Dieu, is the Messiah of God. Là, il a réussi. There, he succeeded. Et nous voilà, nous sommes là en son nom. And here we are in his name. Il a dit à la croix, tout est accompli. He said at the cross, everything is accomplished. Quand Jésus revient pour la seconde fois, when Jesus comes back for the second time, ça ne sera pas pour sauver les hommes. It's no more to be to save men. Il va se révéler comme le juge des morts et des vivants. He's going to reveal himself as the judge of the dead and the living ones. Et l'apôtre dit, nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ. We all appear before the tribunal of Christ. Afin que chacun rende compte de ce qu'il faisait pendant qu'il était dans la chair. For everyone to give an account of what he was doing when he was living into the flesh. C'est là où quand ses yeux seront comme les flammes de feu, quand il te regarde, tes yeux peuvent se griller. Is that his eyes are going to be like the flame of fire? When you look at his eyes, your eyes can be burnt out. Quand il va parler, ça when, sera comme une épée combat avec la parole. When he speak, you're going to be like a sword that will fou, even his word. Les hommes vont fuir, les chefs militaires, les esclaves, les hommes libres, tous cherchent quelque part où se cacher. Men, you run out. Military chief and men, they all will seek a place to go and hide themselves. C'est là où notre gloire va se révéler aux nations. It is there that our glory will reveal itself to the to nations. Tu sauras pourquoi tu as cru. You know why you believed. Tu recevras un caillou blanc avec ton nom écrit dessus. You receive a white stone with your name inscribed on it. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Tu seras béni. You be blessed. Il va essuyer les larmes de ceux qui pleurent, en fait, de chacun de nous. He will clean. It will clean the tears of those who are crying. Certains ont appris à pleurer sans faire couler les larmes. Some learned to cry without shedding tears. Mais que ce soit au sens figuré ou au sens propre, tes larmes seront essuyées. I to be that it is what I'm saying. It is in a figurative or in a real sense, your tears will be cleaned. Là, then, il y aura une guerre qui sera déclenché. Then you have a war which will break out.
Les puissants des ténèbres, the mighty of darkness, viendront pour combattre le prince de la paix. He will come to fight against the prince of peace. Pour que le royaume éternel ne soit pas établi sur la terre. For them to prevent the eternal kingdom to be established on earth. Parce qu'il dit qu'il va descendre sur le mont des oliviers, que son pied va toucher le mont des oliviers. Because he said that he will come down on the mount of olives. His feet, his, the sole of his feet will touch the mount of olives. Pendant que le diable sera là avec ses agents pour exciter, le feu va descendre du ciel et tomber sur eux. Why the devil is injured will be there to excite them. The fire will come from heaven and fall upon them. La bête, le faux prophète, le dragon seront jetés dans le lac de feu. The beast, the false prophet, the dragon will be put into the lake of fire. Les gens qui auront refusé Jésus, les gens qui ont refusé Jésus seront jetés dans les temps de feu. People who refuse Jesus and people who refuse Jesus will be put into the lake of fire. Il y aura la paix. You will have peace. Il y aura deux mondes. Ceux qui sont dans le lac de feu. Two words. Ceux qui règnent avec Jésus. Those who are in the lake of fire and those who reign with Jesus. Le diable sait ça. The devil knows that. Les démons le savent. Demons know it. Un démon a dit à Jésus. A demon tells Jesus. Tu es venu nous perdre, nous tourmenter avant le temps. You have come to disturb us, to make us be lost before time. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Pourquoi tu viens maintenant? What do you have between you and me? Why do you come before time? Ça doit, cette question du démon doit te réjouir. That question of the demon must make you be happy. Quand l'ennemi sait ce qui arrive, toi-même, si tu ne sais pas, il faut pleurer sur toi-même. When the enemy knows what is coming ahead, if you yourself you do not know, you need to cry for yourself. Donc il y a des gens qui confondent les réalités de la deuxième venue. Aux réalités de la première venue. There are some people who confuse the reality of the first come to the one or the second come one. Et nous allons régner avec Jésus au siècle des siècles. And you reign with Jesus from centuries to centuries. Là-bas, il n'y a pas de mariage. Over there, there's no marriage. Les hommes sont comme des anges, les femmes sont comme des anges. Men are like angels and women are like angels. Quand tu rencontres un frère, when you meet a brother, tu sais où il va, ce qu'il fait, tu sais. You know where he's going, what he's doing. Il y a l'intelligence spirituelle et éternelle en toi. You have eternal intelligence, spiritual intelligence in you. Il n'y aura pas de rancune, pas de jalousie, pas de soupçon, puisqu'on sait tout. No grudge, no doubt, because you know all. Et on vit avec Jésus. And we live with Jesus. Il y aura l'adoration continuelle. You have continual worship. L'adoration continuelle. They will have continual worship. Et le bonheur sera toujours nouveau. Quelqu'un a composé ce cantique. Il a eu la vraie vision du royaume. The happiness will be renewed. If somebody has written that song, really had a vision, a revelation. Parce que c'est un jour, l'éternité est un jour. Tu ne te fatigues pas, la nuit ne tombe pas. Comme on dit que la nuit est tombée, le jour se lève. Vous vivez un jour éternel, mais rempli de bonheur. Le soleil ne vous grille pas la peau, pas de boutons, pas de caries dentaires, pas rien de maladie. Le corps est dégagé. Jésus Christ. Eternity is one day. There's no day, no light. Is it one day? There's no cavity. The sun does not burn your body. Faut pas rater ça. Do not miss this. Nous allons combattre. We will fight. Nous allons exécuter ce que Jésus a déjà décidé. You are going to execute what Jesus has already decided. Si tu n'as pas encore donné la vie à Jésus, lève ta main. If you have not given your life to Jesus yet, raise up your hand. Lève ta main. Raise up your hand. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Is there anyone? Ok, je vois une main. Yes, I could see one hand. Qui veut donner sa vie à Jésus maintenant, ici, ici? Who want to give his life to Jesus now, here? Ouais, viens, venez. Yes, come. Que tout cela vienne ici. All those people should come here.
C'est un bon choix. C'est une bonne décision. It's a good choice. It's a good decision. Approchez, venez rapidement vous engager à Christ. Come quickly to commit yourself to Jesus. Oui, avancez, avancez. Yes, come, come. Avancez, avancez. Come, come. Et que la paix de Dieu soit avec vous. May the peace of God be with you. Avancez, que la grâce de Dieu soit avec vous. Come, may the grace of God rest upon you. Avancez, avancez. Come, come forward. Avancez, avancez. Come forward, come forward. Jésus a dit, Jesus said, je me tiens à la porte et je frappe. I stand at the door and I knocked. Je me tiens à la porte et je frappe. I stand at the door and I knock. Si quelqu'un entend ma voix, if somebody hears my voice, et ouvre la porte, and opens the door, je souperai avec lui. I have a dinner with him. Et lui avec moi. And he with me. Jésus est à la porte. Jesus is at the door. Il frappe, il frappe, il frappe, il frappe. He knocks, he knocks, he knocks. Ouvre. Open. Lève-toi, tu vas devant. Stand up and go forward. Lève-toi, tu vas devant. Lève-toi, tu vas devant. Stand up and go front. Lève-toi, tu vas devant. Stand up and go over there. Jésus a dit. Jesus said. Je me tiens à la porte. I stand at the door. La porte ici, c'est quoi? What's the door here? Qui connaît la porte? Who knows the door? Le cœur. The heart. Jésus frappe. Jesus knocks. À la porte de ton cœur. Il frappe, il frappe. He knocks, he knocks. Il dit, ma fille, ma fille, ouvre-moi, ma fille, ouvre-moi. He said, my daughter, open to me. Dis, mon enfant, ouvre-moi, ouvre-moi. He said, my child, open to me. Dis, je viens pour te faire du bien. I'm coming to do you good. Je veux souper avec toi. I want to have dinner with you. Je veux causer avec toi. I want to chat with you. Il y aura une relation entre moi et toi. You are going to have a relationship between you and me. C'est à ce moment-là. It's at that moment. Qu'on dit qu'une maladie était là, elle a disparu. That you said a disease was there and it disappears. Parce que quand tu causes avec celui qui crée la vie. Because when you chat with the one who creates life. Les démons même comprennent qu'il faut qu'ils s'en aillent. The demons understand that they have to go. Et ils frappent. And he knocks. Le diable. The devil. Te dira toujours. We always tell you. Ne va pas, ne va pas, ne va pas, ne va pas. Don't go, don't go, don't go. Chasse-le. Cast him out. Dis Satan, va-t'en. Say Satan, be gone. Et puis lève-toi et viens. And you stand up and come. Je prêchais l'évangile à une dame. I was preaching the gospel to a woman. J'étais encore dans la fonction publique. I was still a civil servant at that time. Il m'a dit, patron. He said, boss. Tu connais mon salaire. You know my salary. J'ai deux enfants. How two children. Regarde comment je suis habillé. Look at the way how I'm dressed. Si je donne ma vie à Jésus. If I give my life to Jesus. Je vais faire comment? How am I going to manage? L'appartement que j'occupe. The apartment that I rent. C'est un homme marié qui paye. Is paid by a married man. Il paye un versement unique par an. Il donne les 12 mois. Il paye. He paid the money for 12 months in one payment. Je lui ai dit. I told her. Sors de là. Come out of that. Va en famille. Go into live and live in your family. 0-0. She said 0-0. Bon, va prendre une chambre de 10 000. Go and take a rent of 10,000. Jamais, jamais, jamais. She said never ever. Vous voyez? Can you see? Elle meurt dans le péché. She elle dies ne veut pas, elle ne veut pas aller en famille. She doesn't want to go elle into ne veut pas a family. Vivre selon son niveau. She doesn't want to live according to a money. Bien habillé, deux well enfants, dressed, pris en charge par un malheureux. Managed by an unfortunate man. J'ai croisé ce monsieur. I met that man. Bon, tu souffres. Laisse, arrête. I said, you are suffering. Stop. Il me regarde. He looked at me. Il sentait qu'il était en colère, mais il ne pouvait rien me faire.
He was hungry, but he could not do anything to me. Laisse le péché dans ta vie à Jésus. Listen and give your life to Jesus. Laisse ce péché dans la vie à Jésus. Leave that sin and give your life to Jesus. Laisse ce projet. Leave that project and give your life to Jesus. Tu vas aller à l'étranger. You want to go to foreign countries. Mais ton circuit. But the way that you want to use. Est un circuit abominable. It's an abominable way. Il n'est pas interdit de voyager. It's not forbidden to travel. Mais ne passe pas dans les placards. But don't go through cupboards. Je veux commencer la prière. I start the prayer. Acclamez vous-même. Vous êtes très fort. Clap for yourself. You are very strong. C'est ça qu'on appelle donner la vie à Jésus. This is called giving one's life to Jesus. Ça, c'est la première étape. This is the first stage. Déjà, quand vous vous levez là, the first time when you raise up, Dieu pose la main sur vous. God lays his hand upon you. Parce que c'est un acte de volonté. Because it's an act of that comes willingly. Se lever. To rise up, et se tenir devant les témoins. To stand before witnesses. C'est honorer Dieu. It is to honor God. Et il a vu. He saw it. C'est pour cette raison qu'il est dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. This is what he said. Whoever you call on the name of the Lord, you'll be saved. Maintenant, now, vous devez lui demander pardon. You have to ask him to forgive you. Dis-lui que nous revenons étant souillés. Say that we are coming being dirty. Tout ce que tu as fait en cachette, il a vu. All that we did in the hidden places, he saw it. Ce que tu voulais faire après ce jour, il voit, il sait. What you wanted to do after that day, he sees. Se repentir, c'est décider que ça s'arrête là, c'est fini. C'est fini. To repent is to decide that it is finished, it stopped there. Donc, levez vos mains. So, lift up your hands. Seigneur Jésus. Say, Lord Jesus. Pardonne tous mes péchés. Forgive all my sins. Je reviens. I'm coming back. Mais je suis sale. But I'm dirty. Dis, oh Seigneur Jésus. Say, oh Lord Jesus. Je reviens. I'm coming. Mais je suis sale. But I'm dirty. Je suis sale. I'm dirty. Je suis sale. I'm dirty. Je suis sale. I'm dirty. Lave-moi. Wash me. Tu es mort à la croix. You died at the cross. Tu as versé le sang. You shed your blood. Pour me sauver. To save me. Lave-moi, Seigneur, lave-moi, lave-moi. Wash me, Lord, wash me. Lave-moi, lave mon corps. Wash my body. Lave mon âme. Wash my soul. Lave mon esprit. Wash my spirit. Oh, Seigneur. Lord, je t'appartiens. I belong to you. Dirige-moi. Lead my life. Amène-moi où tu voudras. Amen. Lead me where you want. Je veux me joindre à mes frères. I want to join my brethren. Pour chanter, danser. To sing, dance. Pour lire la parole. To read your words. Pour gagner les autres à toi. To win others to you. Je m'engage. I commit myself. À rendre ma vie utile. To make my life useful. Dans ta maison. In your house. Accorde-moi cette grâce. Grant me that grace. Enlève de ma vie. Remove from my life. Les conséquences. Consequences. De tous mes actes. Of all my acts. Enlève de ma vie. Remove from my life. Les conséquences. Consequences. De toutes mes paroles. Of all my words. Enlève de ma vie. Remove from my life. Les conséquences. Consequences. De toutes mes pensées. Of all my thoughts. Maintenant, tendez les mains vers ici. Now, stretch your hands towards here. Demande que les desseins de Dieu s'accomplissent. Ask God for them to accomplish His purposes. Dans leur vie, les desseins de Dieu s'accomplissent dans leur vie. To accomplish His purposes into their life. Ceux qui sont malades, qu'est-ce qui les guérisse? The sick ones should be healed. Ceux qui sont poursuivis par les esprits de mort, les esprits de mari, de nuit, femme de nuit, qui soient délivrés. Those who are pursued by spiritual husband and spiritual wife should be ceux delivered. Ceux qui sont sous l'envoûtement du diable, qui soient désenvoûtés.
they who live under the enchantment of the devil should be set free. Que ceux qui vivent sous la malédiction soient délivrés de la malédiction. That those who live under curse should be released from curses. Acclamation à Jésus-Christ. Clap to Jesus Christ. Donnez-leur des chaises. Give them chairs. Tout ce que nous allons demander, demandez aussi. Vous êtes déjà des enfants de Dieu. All that we are going to ask, ask them too. You are already children of God. Là où vous êtes, même si on vous a mangé dans la sorcellerie, si vous avez, si vous voyez ces frères qui sont assis là, s'ils n'ont pas réussi à vous tuer avant ce jour, ils ont perdu. Where you are, even if you have been hidden in witchcraft, it's finished. You could see the brethren who are sitting there. On dit les sorciers volent les richesses. Vous allez voir, dans des visions même, ils viendront vous remettre ça. You see that the riches, you to steal the riches. You see even the vision, they will come and give you back. Vous avez écouté les témoignages. Quand Dieu agit, il montre. Ce n'est pas caché. You listen to testimony. When God acted, he showed it. It's not hidden. Lui, il a prié pour son frère. C'était quand là-bas, avant même la fin de la croisade, il est déjà béni. He prayed for his brother even before the end of the crusade. Is answered. Et les gens vous trompent que la pierre de Dieu roule lentement. Allez vous débrouiller chez les féticheurs. And people lie to you that the stone of God rolled down slowly. Go to fetish priest. C'est faux. C'est authentique. It is false. It is authentic. C'est authentique et c'est gratuit. It is authentic. It is practical. C'est gratuit. Asseyez-vous, prenez place. Sit down. Lis pour nous 2 Samuel. Read for us 2 Samuel. Chapitre 5, verset 6 à 10. Chapter 5, from verse 6 to 10. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. » Ce qui voulait dire, « David n'entrera point ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit en ce jour, « Quiconque battra les Égyptiens et atteindra le canal. Quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. » David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de bénédictions sur le peuple de Dieu. You know, there are many blessings upon the people of God. Béni soit l'Éternel, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Blessed the word, the Lord, we bless you for all kinds of blessings. Il nous a élus, il nous a rachetés, il a fait de nous des enfants de Dieu, il nous a scellés du Saint-Esprit. You redeem us, you made us children of God, you fill us with the Holy Spirit. Alléluia. Praise the Lord. Allez faire de toutes les nations des disciples. Go and make all nations disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptizing them. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. And I'm with you until the end of the world. Alléluia. Praise the Lord. Le Seigneur lui-même va vous amener à la perfection comme il a commencé. The Lord himself will bring you to perfection as he has started. Alléluia. Praise the Lord. Notre Dieu mettra bientôt Satan sous nos pieds. Our God, you put very soon Satan under our feet. Alléluia. Praise the Lord. Ils marcheront sur les serpents, sur les scorpions. Walk over serpents and scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. And all the might of the enemy. Rien ne pourra les nuire. And nothing can harm you. Alléluia. Praise the Lord. Ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. What you bind on earth, you'll be bound in heaven. Ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. What you release on earth, you'll be released in heaven. Hallelujah. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose à mon nom, elle sera accordée. If two of you meet to ask something on my name, it will be granted to them. Hallelujah. Praise the Lord. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. The one who is in you is greater than the one who is in the world. Hallelujah.
Hallelujah. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. You are the salt of the earth, you are the light of the world. Hallelujah. Hallelujah. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. He made us seated with him in the heavenly place. Hallelujah. Hallelujah. Est-ce que vous pensez que le diable est là pour acclamer? Do you think that the devil is there to clap? Non. No, no. Est-ce que vous croyez que Satan est content quand on dit tout ça? Do you think Satan is happy when you say all this? Que Jésus est avec toi tous les jours. That Jesus is with you every day. Le diable acclame, il acclame. The devil claps, he claps. Je vous donnerai un cœur nouveau. I give you new hearts. Je mettrai mon esprit en vous. I put my spirit in you. Et le diable est là, il dit alléluia. And the devil says hallelujah. Frère, que personne ne te trompe. Brother, should no one deceive you? Il y a un grand complot. There's a great plot. Satanique. A satanic great plot. Contre Jésus et tous ses amis. Against Jesus and all his friends. La Bible dit que le diable est descendu. The Bible said the devil came down. Pour faire la guerre à tous ceux qui portent le témoignage de Jésus. To fight against all those who bear the testimony of Jesus. C'est pour ça que je vous disais que si quelqu'un te dit le contraire, il est un démon. Il veut que le diable réussisse. This is what I'm saying. If somebody tells you something, this is contrary to what I'm saying, is a demon. He wants the devil to succeed. Quelqu'un peut boire la bière tous les jours. Someone can drink beer every day. Le diable peut placer un petit démon. The devil can place a small demon. Pour le surveiller seulement. Pour to watch un over petit him. Démon. A little demon. Pour surveiller si l'œuvre de Satan n'est pas perturbée. To watch over if the work of Satan is not destroyed. Mais tous les autres, tous les vaillants guerriers de ténèbres. But all the mighty warriors of darkness. Sont sur le chemin de ceux qui sont véritablement établis en Christ. Are the way of those who are genuinely established in Christ. Et aussi, and also, ne sont pas seuls. They too are not alone. Ils ne sont pas seuls. They are not alone. Tu peux voir un petit David là. Tu crois qu'il est seul? Il n'est pas seul. You can see a little David. You think that he's alone? No, he's not alone. Quand David a décidé, when David decided, après avoir frappé les ennemis. After striking comme the enemies, avait promis à Israël, as the Lord promised to Israel, les Amoriens, les Éthiens, les Éthiens, les Phéréziens, the Jebusites, the Evians, les Amoriens, the Amorites, tous battus, les Cananéens, all the Canaanites, all beaten. David dit, David said, il faut que j'entre dans la capitale. How to enter the capital? When you know somewhere people get converted, Christ has come. Let us drive the sword to out and enter to saisir les âmes, to les tirer vers Jésus. We bring the sword, we bring it to Jesus. Tu vas détruire tout ce que le diable. Les Philistins ont entendu, les Jébusiens ont entendu. The Jebusites waited. Que David they a annoncé. That David announced qu'il entre ici. That is entering here. Convoquer toute la population. Summon the whole population. Que personne ne reste à la maison. Should no one remain home. David veut entrer. David veut entrer. David wants to enter. David wants to enter. Nous croyons que c'était des amusements. You believe it was joke. Ça a commencé par les Amoriens. It started with the Amorites. Les Éviens, les Phéréziens, les Éthiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Canaanites. Maintenant, now, c'est ici. It's here que toute la population vienne. May the whole population come. Même les boiteux. Even the name one. Personne ne reste à la maison. Should no one remain at home. Même si tu ne vois pas, engage-toi au combat. Even you cannot see, engage yourself to the battle. L'homme qui a tué Goliath, l'homme qui a tué Goliath arrive. L'homme qui a tué Goliath arrive. The one who killed Goliath arrived. The one who killed Goliath arrived. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? David a dit ça là. Vous amusez. David said, yeah, you are joking.
Il a choisi. Il a dit. He said. Vous là, vous me suivez même pourquoi? He said, you. Why are you following me? Okay. Okay. C'est lui qui va battre ces gens qui jurent là. The one who Je beat. Fais de lui un général de l'armée. The one who beat those people who are swearing, I make him be a general of army. Acclamation. Clapping. Hallelujah. Hallelujah. Et David est allé au combat. And David went to the battlefield. Il a écrasé les Jébusiens, les aveugles, les boiteux, les Jébusiens, tout le monde. The blind one, the lame one, everyone. Et il a écrit. And he wrote sur une pancarte, cité de David. On a signboard, the city of David. The city of David. Cité de David. The city of David. C'est ce que toi et moi nous allons faire ce soir. Is that you and I are going to do tonight? Tu as déjà vu beaucoup de choses merveilleuses dans la maison de Dieu. You have already seen many marvelous things into the house of God. Tu as déjà été béni. You have already been blessed. Peut-être béni chez les Amoriens. Maybe blessed with the Amorites. Béni chez les Hétiens, béni chez les Héviens, béni chez les Phériziens. Blessed with the Hévites. Il faut que tu sois béni chez les Jébusiens aujourd'hui. You need to be blessed in the house of the Jebusites today. Ce qu'ils disent. What they are saying. Que Dieu veut utiliser celle-là. That God wants to use that one. On ne le permettra jamais. You never allow it. Elle aussi veut devenir femme de prière. She too wants to become a woman of prayer. Ça ne s'accomplira pas. Dis le diable. You will not be accomplished. Sell the devil. Est-ce qu'il a le dernier mot? Does it have the last words? Celle-là aussi, celui-ci aussi. Gagné dame, celui-ci. That woman too, that man too. Il a gagné ici, il a gagné là-bas. Quand il entre quelque part, les gens se convertissent. Il arrive ici. He has won here, he has won over there. When he went somewhere, people get converted. Il va casser la porte. Let us break the stronghold. Tu entres. And you enter. Tu saisis les âmes, tu les tires vers Jésus. You gather the souls and you drive them to Jesus. Tu vas détruire tout ce que le diable peut utiliser, que ce soit maladie ou pauvreté. En fait, dès que tu vois une arme, même si c'est un bot, tu casses. You use. Ne néglige rien, ne dis que ce n'est qu'une petite corde. You use all that the devil use against you. Poverty, sickness, même even petit to the fil. Well, as long as you see, you break it. Même un petit fil, tu brûles. Even a small rope, Parce you burn it. Ils ont convoqué tout le monde. They call everybody. Ils n'ont pas dit sauf les malades. They didn't say unless, so except the sick one. Est-ce que nous sommes ensemble? How are you together? Ne dis pas que ça c'est facile. Tu écrases d'abord avant de continuer. Don't say this one is easy. Just crush it down before you speak. Si ce n'était rien, if it was nothing, on n'allait pas convoquer. It was not to be called contre toi. Against you. Les mensonges, les commérages, tout ce que les gens utilisent pour bloquer, tu casses. Lies. Tu brises. Lies, slandry. All that people use to block you, you break all. Tu prends ta place. You take your place. Hallelujah. Hallelujah. Si Dieu t'a dit va en mission. If God told you go into the mission field. Un piton a barré la route. And a platform blocked the way. Écris, dès que tu le frappes, tu l'enchaînes, tu écris une lettre de demande de candidature à la mission là sur le champ. As soon as you strike him, you write a letter to the candidate of mission there, on the spot. Tu me donnes avant de rentrer. You give it to me before going home. Fais tout pour casser tout. Make all your items to break all. David n'entrera point ici. David, you not enter here. David, vous savez, ce sujet de prière, c'est toute la vie. You know, that prayer topic is the whole life. Parce que quand tu voyages, nous sommes, Pierre dit que nous sommes des voyageurs sur la terre. Because when you travel, Apostle Peter said, you are travelers on earth. Pour sortir de l'Égypte, to come out of Egypt, il faut casser tout.
You need to break all. Pour marcher, pour traverser la mer Rouge. To cross the Red Sea. Faut casser tout. You break pour all. Marcher dans le désert. To walk into the desert. Donc c'est une vie. Break all. C'est-à-dire chaque étape du combat, chaque étape de la marche est un combat. C'est each stage of the walk is a fight. C'est pour cette raison qu'on parle de progrès en progrès. It's for that reason we talk about going from progress to progress. L'esprit qui t'a battu. The spirit that defeated you devient ton nouveau maître. Becomes your new master. Si tu as battu 5, if you defeated 5, tu arrives au 6e. You arrive at the 6th one. Tu ne bouges plus. You move no more. Il devient ton chef. It becomes your chief. Mais ce qui est intéressant dans le combat spirituel, but what is interesting in the spiritual warfare, c'est que si tu as un adversaire, now if you have an adversary, si tu le combats, if you defeat him, tu le renverses, you overthrow him, il est derrière toi, il ne peut plus venir devant. He's behind you, he can no more come front. Et l'autre t'attend. Il sait que tu as déjà vaincu. And the other one is waiting for you. L'autre knows that you are already overcome. L'autre commence à trembler. He starts shaking. Si tu le frappes, if you defeat him, il passe derrière. He goes beyond. Si you. Tu restes là, tu hésites pour attaquer. If you remain, you hesitate to attack him. C'est là où tu vas passer toute ta vie. Is there you spend your whole life? Donc beaucoup. So many. Ont été déjà freinés. Are already stopped. Certains ont déjà fait 2 ans sur place. Some have already spent 2 years. Mais on the nom same de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Tu casses. You break it. Tu passes. You pass. Il passe derrière toi. And it goes beyond you. Ça va s'accomplir. It will be accomplished. Et tu verras, tu auras le résultat palpable à tous les niveaux spirituels, matériels, financiers, tout. And you see the touchable result at all levels. I don't show one spiritual one, material one. Au niveau physique, il y aura des signes que le chemin est ouvert. At the physical level, they are going to have signs that the way is open. Que personne ne te trompe. She no one deceive you. Que personne ne te trompe. She no one deceive you. La marche, Jésus même avec chaque jour était un combat à mener. The walk every day was a fight to be done. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tiens-toi debout. Stand up. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je crois. I believe. Que Dieu m'a déjà béni. That God has already blessed me. En Jésus Christ. In Jesus Christ. Je crois. I believe. Que Dieu m'a déjà élevé. That God already lifted me up. En Jésus Christ. In Jesus Christ. Dis je crois. Say I believe. Qu'il y a un Jérusalem pour moi. That there's a Jerusalem for me. Je dois y entrer. I must enter. Dis je bénis le Seigneur pour toutes les victoires du passé. That I bless the Lord for all the past victories. Je bénis le Seigneur pour toutes les victoires du passé jusqu'à ce matin. I bless the Lord for all the past victories until this morning. Je bénis le Seigneur pour les exploits du passé. I bless the Lord for all the feats, all the past feats. Car j'ai vu la gloire de Dieu. Because I saw the glory of God. Plusieurs fois. Many times. Je ne peux pas être ingrat. I could not be ungrateful. J'ai vu la main de Dieu. I saw the hand of God. Et je la sens sur moi. And I feel it upon me. Tel que le Seigneur me l'a révélé. As the Lord revealed to me. Parce qu'il a dit lui-même. Because he said himself. Que vous connaîtrez que je suis en mon Père. That you know that I'm to my Father. Que mon Père est en moi. That my Father is in me. Que je suis en vous. That I am in you. Que vous êtes en moi. That you are in me. Je sais que Jésus est là. I know that Jesus is present. Mais je dois grandir. But I must grow up. Je dois avancer. I must go forward. Je dois percer. I must have a breakthrough. Je dois laisser les empreintes. I must leave. Je refuse d'être médiocre. Pas de médiocre. Je refuse d'être médiocre. I refuse to be médiocre. Je proclame. I proclaim. Qu'il faut that que j'entre dans la cité. I must enter the city. Je proclame. I proclaim que s'il y a les Jébusiens en route. If there are Jebusites on my way. Rassemblez, rassemblez.
Covered, covered. Je les disperse. I disperse them. Et j'entre dans la cité. And I enter the city. Je les disperse, je les disperse. I disperse them. Toute arme. Every weapon. Tout phénomène. Every phenomenon. Qui a été utilisé par Satan. Which has been used by Satan. Et son armée. And his army. Pour s'opposer à moi. To oppose me. Pour m'empêcher d'entrer dans la cité. To prevent me from entering the city. Pour m'empêcher de me réaliser véritablement en Christ. To prevent me from realizing myself really in Christ. Pour m'empêcher d'offrir une vraie offrande à mon Dieu. To prevent me from offering a good offering to my God. Pour m'empêcher de satisfaire parfaitement le cœur de mon Dieu. From preventing me from satisfying fully the heart of tout God. Tout ce qui a été utilisé. Every object that has been used. Tout ce qui a été utilisé. All that has been used. Tentation. Temptation. Épreuve. Maladie, trial, sickness, infirmité, infirmity, individu, individual, parents, parents, adversaires, etc., etc. Je brise, I break, je renverse, I overthrow, je casse tout, I break, je fracasse tout, I break, je fraye le chemin, je fraye le chemin, je brise les barrières, je brise les barrières, je détruis les obstacles, je détruis toutes choses, je détruis toutes choses, je détruis tout principe, tout phénomène. Toute chose, toute pensée, tout raisonnement, tout auteur, tout auteur, tout auteur, tout prince satanique, tout prince satanique, tout esprit humain, tout esprit de mort, tout esprit de démon, toute l'armée des ténèbres, tout ce que le diable peut utiliser, tout, je proclame que tout cela est brisé. Au nom de Jésus, je brise tout. Que le feu de Dieu descende. Et consume les débris. Et consume les débris. Continue à prier pour toi-même. Continue to pray for yourself. Si je proclame, say, I proclaim que je serai that I will be ce que Dieu a annoncé, that what God has announced, je serai I will be ce que Dieu a annoncé, what God has announced. Rien ne peut m'en empêcher. Nothing can prevent me. Nothing can prevent me. Rien ne peut m'en empêcher. Je rassemble mes adversaires. Je les précipite dans des abîmes. In the abyss. Je les disperse. I disperse them. Continue à prier. Continue to pray. Dieu au nom de Jésus, je détruis tout ce qui existe contre moi parmi les êtres humains. Au nom de Jésus-Christ, je détruis tout ce qui existe contre moi dans le séjour des morts, à travers les esprits des morts. Au nom de Jésus-Christ, je détruis tout ce qui existe contre moi dans le monde invisible. Dans le monde invisible, je détruis qui existe contre moi dans la famille. Je détruis tout ce qui existe contre moi, tout ce qui existe contre moi parmi mes voisins. Je détruis tout ce qui existe contre moi parmi mes collègues. Je détruis tout ce qui existe contre moi dans ma belle famille. Je renverse tout, je brise tout, j'enlève tout obstacle, sur mon chemin. J'entre dans ma cité. J'entre dans ma bénédiction. J'entre dans mon appel. J'entre dans mon appel. Dis au nom de Jésus. Par la foi. Through faith. Écris mon nom. Write my name. Sur la cité. On the city. Tu dis ton nom. Cité de Boniface Meunier. City of Boston. Dis, je proclame que j'écris mon nom. Say, I proclaim that I write my name. Que personne ne peut effacer.
that no one can clear it out. Assieds-toi, tu regardes le calme. Be seated and keep silent. Si tu as des notes à prendre dans ton cahier, si tu as des notes à prendre, tu écris. If you have some things to write, write them down. Va-t'en! Begone! Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Travaille ton cœur, ta relation avec Dieu. Travaille. Work over your heart and with your fellowship with God. S'il y a des ennemis sur le chemin, ils vont se signaler. If there are enemies on the way, they made themselves known. Ils seront expulsés. And they will be pushed out. On a fait la démonstration de la foi. Tu as fait la démonstration de la foi. You made a demonstration of faith. You have made a demonstration of faith. Tu n'es plus la même personne. You are no more the same person. Il y a un couple qui est parti. There's a couple who went au Luxembourg. To Luxembourg. On leur a dit qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour un enfantement. He said they do not have what is needed to bear a child. Ils avaient déjà fait, je crois, 7 ans de mariage. They already spent 5 years of marriage. Nous sommes arrivés là-bas. We arrived there. Nous leur avons expliqué comment on renverse les principautés. We explained to them how to overthrow principalities. On a fait les prières de combat. You made the spiritual, the prayer of warfare. Je pense 2 mois après, la sœur a conçu. 2 months later, the sister became pregnant. Il y a les démons derrière les maladies. There are demons beyond sickness. Tu vas intercéder. You will intercede. Que Dieu amène à l'existence des guérisons palpables. That God should bring into existence touchable healings. Le sang purifié sans un seul virus de sida. The blood purified with no virus of AIDS in it. Les maladies de la respiration. Sicknesses of breath, of breathing. Tous ceux qui sont bloqués par l'asthme. All that is blocked by asthma. Nous allons lever la main contre toute cette armée. You raise the hand against all these armies. Et vous verrez les résultats. And you see the results. Jésus est vivant. Jesus is. Lève ta main. Raise up your hand. Dis d'un commun accord. Say in one voice. Nous réduisons à néant. We destroy tout ce qu'on appelle maladie incurable. All that is called incurable sickness. Le VIH. HIV. Les hépatites. Hepatitis. Le cancer. Cancer. Le diabète. Diabetes. Nous réduisons à néant. We destroy COVID-19. COVID-19. You reduce it. Insuffisance rénale. Kidney failure. Hypertension. Hypertension. Glaucome. High disease. Nous réduisons à néant. We destroy all. Nous libérons les captifs. You release captives. Nous libérons les captifs. You release captives. Prie en langue. Prie en tongue. Et toi, cette maladie est guérie. And you, that incurable sickness. Ta nourriture est finie. Your food is finished. Tu vas manger la poussière. Oui, je dis que c'est fini. And I'm saying it is finished. Je dis que c'est fini. And I'm saying that it is finished. Cette maladie est finie. That sickness is ended. Cette maladie qui te nourrissait est finie. Va-t'en. That sickness that used to feed himself is finished. Va-t'en vite. Begin quickly. Que toute blessure incurable soit guérie. May any incurable wound be healed. Hernie, disparaît. Hernia, disappear. Je brise toute malédiction liée au nom. I break all curses related to name. Toute malédiction liée au nom. Any curse related to names. Je te chasse. I cast you out. Satan. Go. Va-t'en. Begone.
Toute malédiction. Any curse. Attaché au nom. Related to now. Je brise. I break. Toute malédiction. Any curse. Attaché au nom. Related to name. Je te brise. I break you. Je te brise. I break you. Oh, Karabasharabaka. Je te sépare de ce nom. I separate you from that name. Je te sépare de ce nom. I separate you from that name. Sépare de ce nom. I separate you from that name. Sépare de ce nom. I separate you from that name. Je lave les déchets. I wash the excrements. Qu'on a jeté sur toi. That has been put on you. Le sang de Jésus. In the blood of Jesus. Dans le sang de Jésus. In the blood of Jesus. Je lave tout, je lave tout. I wash all, I wash all. Je lave la honte, je lave tout. I wash him, I wash all. Par le sang de Christ, le sang de Christ. In the blood of Jesus, in the blood of Christ. Le sang de Christ, le sang de Christ. In the blood of Christ. Je lave ta personne. I wash your being. I wash your being. Oh, the shame. Je plonge dans le sang de Jésus. I dive into the blood of Jesus. Je te plonge dans le sang de Jésus. I dive into the blood of Jesus. Je te plonge dans le sang de Jésus. I dive into the blood of Jesus. Korabaka sharabaka 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 sharabaka. Korabaka sharabaka. Korabaka sharabaka sharabaka. Dis Jésus a vaincu Satan. C'est Jésus qui a vaincu Satan. Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu les maladies. Jésus a vaincu les diseases. Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu les Jébusiens. Jésus a vaincu les Jébusites. Dis Jésus, tu as vaincu mes Jébusiens. Jésus, tu as vaincu ma Jébusite. Tu as vaincu les Jébusiens de l'église. You have vaincu les Jébusites of the church. À toi l'honneur. To you the glory. À toi la gloire. To you the honor. À toi la puissance. To you the might. Au siècle des siècles. From saint to Amen. Amen. Offrande d'acclamation et des cris de victoire. Come offering and shout of joy. Jésus n'a pas changé. He has not changed. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement.